balle est envoyée. Immédiatement les Congolais sur le ballon, mais la balle est reprise par le numéro 8 sénégalais. Comment tu fais? Accélère, essaie de gagner du terrain, force, il n'a pas de position, il insiste. Malheureusement, la balle échoue entre les pieds du défenseur togolais. Avec de trop beaux maillots blancs et des shorts verts, dégagement sénégalais est parti. De recruter pour qui personne peut pour aussi vite le numéro 8 qui joue pour le numéro son avançant. Comment tu fais? Frappe! Dégagement rapidement de l'attaquant sénégalais. La balle revient pour une nouvelle fois. Comment tu fais? Oh là là, premier but sénégalais. Sort de la pelouse. La balle entre les pieds des joueurs togolais. Comment tu fais? Ils essaient d'envoyer la balle. Loupé magistral de numéro. Organisation. Organisation togolaise, moins d'une minute après. Je te mets du sens là. Pour frapper parti, frappe directement dans les goals. Sans problème pour le portier togolais. Que va-t-il faire? Il organise son équipe. Il rentrera sur le touche pour qui? L'équipe de porte au coup franc. Penalty! Penalty ici en faveur de l'équipe nationale sénégalaise. Et c'est l'arbitre n'a pas du tout hésité. Il faut dire que la faute était vraiment flagrante. Rawan, en face de lui, ça fait un numéro de l'agent togolais. Rawan, comment tu fais? Oh, oui, ça va bien. Le an intervention by the Senegalese midfield. I think it's a foul that the referee says play on. The Senegalese have a beautiful opportunity. Oh, I've got such a wonderful save by the Togolese goalkeeper. That was a golden opportunity missed by the Senegalese. Senegalese pour qui? Pour personne. Ce sont les Congolais qui se réorganisent. Je voulais gagner. Oh, là, là, là. Quelle erreur du portier Safiane Ndjikogo en faveur des Sénégalais. Alors que le quatrième arbitre signale 4 minutes de temps additionnel. Coup franc. Tout le but sénégalais.